Shield up. Engines low. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai rien touché. Zero hostile contacts remaining. Contact. Elite units en route. Units eliminated. Warning, there are multiple hostiles inbound. Begin scan. Contact. C'est le SP. Shield up. C'est nul. Shield recharging. Mais bordel, ils viennent sous deux vents. Proximity alert. Head. Missile lock. Proximity alert overhead. Shield up. Shields recharging. Missile locked. Starboard. Kill. Missile locked.
hostile contacts remaining. Contact. Elite units en route. Contact. Hostile contacts remaining. Warning, there are multiple hostiles inbound. Begin scan. Contact. Proximity. Je t'ai dit bonjour il y a je sais pas combien de temps et t'as pas voulu répondre. Alors Bah en même temps je suis pas là depuis midi. Voilà, du coup
Elite units. Ah, t'es encore en train de manger. Oh non, je viens de commencer. Ah. J'étais pas chez moi. Du coup, voilà. Plus de détails postillants. Alors sache que je ne mange pas énormément. Contrairement à ce que tu peux croire. Ouais, car je mange plutôt tôt le soir. Et plutôt tard le midi. Ah ouais, mais enfin jamais les deux. Non, jamais les deux à la fois. C'est-à-dire que si tu manges tard, tard le midi, je mange pas le soir ou très tard. Donc, du coup je prends entre 1,5 et 2 repas par jour. Voilà. C'est un peu comme Karadoc. Voilà, c'est ça. Si tu veux. Rear shield under fire. Missile lock. Mais c'est pas vrai ce jeu, le débris était pas là. Ça va? Ça faisait longtemps, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, bah c'est cool. Tu as joué à Overwatch? En effet. J'ai senti les ondes cérébrales de Volo envoyer des signaux. Ouais, en vrai, je finis ma partie la pire. Ok. Ouais, je viendrais bien faire les mages pour vous rejoindre, mais je sens que je vais vous tirer vers le bas vu que ça fait longtemps que je suis. Moi je suis tellement... J'avais tellement pas le temps qu'en fait ils peuvent pas me rejoindre, tu vois. Moi j'ai déjà fait mes mages de classement. Ouais, nous c'est pareil, on peut pas jouer avec Kiru en classé pour l'instant. Ah, le mec a plus de temps. Oh, merde. Puis il s'est placé tout seul, je vous dirais quand même. Hein. Non, vous avez vu Squeezie qui a fait une vidéo d'ailleurs sur son classement sur Overwatch pour la nouvelle saison. Il a pété un câble. Non, je regarde pas ce qu'il dit. Non, mais moi non plus, mais là j'ai vu une vidéo parce que c'est apparu dans mes trucs conseillés. Et pourquoi c'est apparu dans tes trucs conseillés? Parce que j'ai regardé des vidéos sur Overwatch. Ouais, d'accord. Moi aussi j'ai regardé des vidéos sur Overwatch, il met pas Squeezie. Eh ben moi il le met, alors je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai regardé PewDiePie ou que j'ai regardé déjà une ou deux vidéos de Squeezie il y a 3-4 ans du coup. Bref, dans tous les cas, je voulais dire que le mec, alors je comprends limite qu'il est ragé du coup. De ce que j'ai compris, pour être diamant dès le... comment dire,
dès les matchs de placement, tu dois faire... C'est 3000. Oui, ça, je crois. Le mec a fait ses matchs de placement, il dit il a fait une défaite et après il a enchaîné 9 victoires. Alors, je veux bien le croire parce que le mec, du coup, a été placé 2988 points. Alors il avait la haine parce qu'il se disait bon, voilà, déjà, il disait bon, si j'avais été classé diamant, j'aurais pas pu descendre après. Et j'aurais accumulé masse de points pour acheter des armes Swaggy Babe. C'est son explication en gros. Après je connais pas tout, mais du coup je me fie à ce qu'il a dit. Détrompez-moi hein, si je dis de la merde, mais en gros c'est ça. Il disait que quand t'atteins diamant, même si tu descends en dessous de 3000, après tu peux pas régresser. Bah t'as toujours l'icône de diamant quoi, mais ton, voilà. Ton MMR il fait quand même. Oui, ton MMR chute, mais tu peux gagner des points du coup là, de je sais plus quoi. Bref. Ouais, voilà. Tu peux gagner des points compétitifs pour acheter des skins d'or. Du coup il se disait, pour là, je viens à peine de placer, donc vraiment je gagne une game, je me fais 40 points. Du coup il a joué, il a fait masse défaite. C'était la vidéo du lundi en mode PLS où j'ai joué comme un tryhard à Overwatch tout le week-end et bah voilà ce qui s'est passé. Voilà mon histoire. Je dirais presque pauvre Squeezie si seulement. Non, j'ai eu... D'ailleurs, hé, je viens de voir un truc sur Karim de Bash, y'a pas un nouveau chroma sorti par hasard. Hop, chroma. Alors ça j'aime bien par contre, mais je suis pas non plus. Oh mec, chroma, alors est-ce que t'as déjà vu les crust Crusade? Ouais, j'en ai vu un peu de chaque. Ouais, moi je te conseille de regarder tous les crust et tous les chromas parce que c'est trop. C'est trop bien parce que bah, Karim de Bash, je sais pas, c'est un génie. Je suis pas biaisé hein, je dis ça de manière complètement objective. Ah, c'est quoi ton nom de famille déjà, Sienne? Bon, c'est de Bash, mais enfin, tu vas dire que c'est biaisé, voilà. Ouais. Non, je suis toujours piégé à Hong Kong le dernier. Il est sorti mois dernier du coup. Bonjour Nicky, il est sorti. Ouais, le joueur du chrony, il en est où là? 16 novembre. Oh là là. Casse les couilles. Pour l'instant ils font des let's play tout pourris sur le bazar. Moi je trouve que c'est de moins en moins drôle aujourd'hui. Bah moi j'aime bien. J'aime. Il y a certaines vidéos que j'aime bien sur le bazar aussi. Mais tout ce qui est les. Non mais juste joueur du grenier. Les let's play j'aime pas. Ah bah, oh. Ouais, let's play, oh, ça je suis pas fan non plus. Ça va, j'aime bien jouer à JDG. Pas assez de vidéos cool sur le bazar en fait. Il y a trop de let's play que si tu veux comprendre ce qui se passe, faut regarder 13, les 13 dernières vidéos, du coup c'est un peu chiant. Puis j'aime pas les let's play de Seb aussi. De Seb? Ah Seb. Seb. J'en ai vu un avec Seb bah, qui faisait c'était un JDR je crois et puis ouais. Et c'est il est gentil mais il est pas charismatique quoi, c'est tout. Ouais, ouais. Ouais, il est pas bon encore en fait, c'est pour ça que c'est ouais. Pas lui à l'écran. Bah ouais, hein. Lui c'est je sais pas mais l'ingénieur son peut-être un truc comme ça. Mais c'est ce qu'il est à la base hein, il me semble. Hein. Oui, mmh. Enfin, c'est lui, je crois que c'est ça. Il me semble, ouais, que c'est ingénieur. Mais il faisait aussi la vidéo, du coup. Voilà. Mais bon, il est cool. J'aime bien quand les deux sont ensemble, mais Seb seul... Si, là, récemment, il y en a un que j'ai réussi à regarder, sans trop faire passer, c'était Seasons After Fall. Mais genre, les trucs qu'il a fait sur... Voilà. Genre les let's play de la peur par exemple, les chevaliers du labyrinthe, ça me fait pas rire. Quand ils font du JDR, je trouve ça chiant, c'est vraiment intéressant.
dire. Prennent pas des vrais JDR, ils font du JDR stéréotypé. Genre dragon magie boule de feu ou zombie quoi. Du coup bah les univers sont pas vraiment intéressants. J'ai regardé des Benzaï live tiens. Comme ça je vais péter un câble avec Benzaï. Et Benzaï il a l'air franchement il a pas l'air sympa en vrai. Ce que vous en pensez mais ça a l'air d'être un mec un peu féroce avec les gens genre, non alors, je pense pas c'est surtout l'heure qui se donne dans ces vidéos mais, je pense qu'il est super ouvert mais qui joue à fond son personnage l'un de ses lives sur Overwatch qui est un streamer il avait l'air d'être plus sympa ouais. Je sais pas, quand je le vois répondre aux commentaires il est super agressif quoi. Non mais c'est son personnage après. T'es sûr? Ouais je pense, franchement. Bah y'a pas mal d'acteurs aussi, enfin du Maurice là qui joue comme ça. Y'a Vigard par exemple, c'est pas un gros connard en vrai tu vois. Non mais je dis pas que Beta est un gros connard, je dis juste qu'il a l'air assez... Non mais c'est juste même agressif, c'est par comparaison de ce qu'ils sont pas en réalité. Par contre il y a Franck Dubos, tu vois, il est un mec sympa alors que lui c'est un petit peu connard, alors que lui c'est un gros connard dans la vie. Ah ouais c'est un connard prendre du boss. Ouais, j'ai des amis de la famille. Ils ont mangé avec lui et apparemment c'est un gros FTP quoi. C'est chaud ça parce qu'à la base quand même le début de ses premiers sketchs c'était vraiment de l'autodérision quoi. Ça me surprend un peu. Bon après s'il a pris la grosse tête en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça, The Last Guardian? The Last Guardian. Warning. There are multiple hostiles in bar. C'est un jeu d'aventure sur PlayStation. Regarde un jeune garçon qui est dans des ruines anciennes des couronnes. Si ce sont des relations entre la créature et le garçon qui avait des ronds, c'est pas relation de la terre. C'est un véritable amitié. Regarde les XP Benzaï. Là dernièrement j'ai regardé quand il faisait let's play de Dead Rising 4, la plus grosse déception de sa vie. Je veux dire, son live, il est. Tu sens tellement c'est palpable le cringe en fait. Tu vois, genre. Genre à un moment, apparemment dans le chat, il y a un mec qui a demandé à ce qu'il mette de la musique Benzaï. Benzaï lui a dit non je veux que vous appréciez l'ambiance musicale du jeu à sa juste valeur. Et là il se retait et il n'y a absolument aucun son à part les bruits du mini-cart que le mec Proximity alert deck. Kill. Zero hostile contacts. Je suis avec 17, encore une et c'est bon. Warning. There are multiple hostiles inbound. Begin scan. Contact. Missile lock. Republic of Gamers. J'avais un PC Republic of Gamers. Un gros PC ultra portable. Voilà, mon écran, moi, c'est un ROG. Ouais. C'est que le PC Republic of Gamers, genre il avait des méga ventilos à l'arrière et en fait ça a servi à rien, il chauffait trop quand même, du coup c'était nul. C'est dommage parce que sinon après il était assez puissant. Mais en vrai ça devait servir quand même. Bon, il y avait de la poussière, je sais pas, mais. Moi, on l'avait vérifié, on avait testé les trucs, évidemment, on l'avait nettoyé. Et bah ça changeait pas grand chose. Ouais je vais regarder les lives, je vous laisse raconter. Putain,
solo à la rescousse, s'il te plaît. J'ai un problème. Un problème de taille qui me pète régulièrement les couilles. C'est la barre des tâches Windows qui ne disparaît pas quand je mets une vidéo YouTube en plein écran. Et qui mange du coup une partie de l'écran. Et vu que moi je l'ai sur le côté et pas en bas, en plus c'est encore plus casse-couille. Mais en fait ça serait en bas, je pourrais pas cliquer sur les touches, donc ça serait aussi casse-couille en fait. Est-ce que tu sais à quoi c'est ce genre de choses ou pas? Normalement quand t'as un problème comme ça, c'est un problème de plein écran. Peut-être l'aéro view. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Aéro, ça me dit un truc. Ouais, Windows Aéro. Ouais, c'est ça. En gros, quand tu choisis ton thème, t'as choix entre Windows basique et Windows. C'est pas le nom, mais. C'est Windows avec elle. Ça pourrait être un truc comme ça, mais j'avoue que des fois ça m'arrive aussi, ça s'en va. Bah ça me le faisait pas hier et là ça me le fait. Mais généralement il suffit de la mettre en plein écran, si ça marche pas tu fais échappe, tu recommences et ça marche. Ouais. Ou alors je vais... En attendant je vais mettre cache automatiquement là. C'est chiant. Parce que automatiquement la barre des tâches. Mais du coup ta barre des tâches elle est fixe ou elle se réduit automatiquement? Bah du coup elle s'enlève, elle se cache et elle se remet quand je mets le curseur là où elle est quoi. D'accord, donc ouais elle se cache toujours automatiquement. Mais j'aime pas trop ça. Ça me sort de mes habitudes et comme je commence à plus être un jeune, tu vois, les habitudes commencent à s'ancrer. C'est difficile. Moi j'ai toujours préféré fixe, mais là je suis obligé de le faire, enfin je préfère le faire. Ouais, vite fait, parce que... Du coup en fait ça pour l'activer et le désactiver tu sais ça. Nain unijambiste scatophile triple anal.